Je me suis séparée, enfin mon mari et moi avons divorcé. Et donc après 50 ans, je me suis retrouvée à avoir des relations, des relations amoureuses avec des hommes. Et je dois dire que le danger du sida, les préservatifs, tout ça, je n'y pensais pas vraiment à ce moment-là. Il a vraiment fallu que je fasse un effort intellectuel pour me rendre compte qu'effectivement, c'est pas parce que j'avais un certain âge que je ne risquais pas d'être infectée. En tout cas, moi, ma génération, c'est que le préservatif, c'était pour ne pas avoir des bébés. Le sida n'existait pas, ou en tout cas, on n'était pas conscient. Quelque part, on se sent un peu comme si on était protégé, alors qu'on ne l'est pas du tout. C'est pas un sujet du tout qui nous. Où on se sent concerné. Je lisais justement récemment que aux États-Unis, 15% des personnes infectées ont plus de 50 ans. Et ça va quand même faire réfléchir. Puis non, c'est vraiment important d'y penser à un âge. Enfin, en étant plus âgé, on a l'impression que d'année en année, on trouve de plus en plus de médicaments, de plus en plus de traitements, mais le danger est toujours là, il ne faut pas l'oublier, mais il faut faire l'effort d'y penser.